ce musée, qui n'est pas reliquaire, mais qui est un lieu de culture d'une manière générale, eh bien, s'enorgueillit de recevoir aujourd'hui M. Duzer, qui est un homme d'immense talent, c'est pas la peine de le dire, vous avez tous vu les œuvres, vous connaissez l'homme depuis de très nombreuses années, il est emblématique du Festival de Flamenco, il est très présent, il a d'immenses talents, les photos en noir et blanc sur ce fond noir sont tout à fait remarquables, bien sûr. Alors on n'a pas l'habitude à Nîmes de commenter les expos, on laisse chacun dialoguer avec les œuvres et chacun fait son miel de ce qu'il voit, et en pense ce qu'il a envie d'en penser. Mais je pense que là, on peut penser que du bien, et même du très bien. Donc, l'expo est tout à fait exceptionnelle, elle est très bien présentée, elle est surtout en complémentarité du Festival de Flamenco que François Noël, avec votre expert, M. Benito, qui doit se cacher quelque part. Vous avez vu d'où ? Il y a deux ou trois flamencos que vous avez photographiés qui nous rappellent Patrick Benito, soit par le volume, soit par la chevelure, en tout cas par le talent, toujours, bien sûr. Donc on est ravis que ce festival de flamenco, depuis de nombreuses années, soit incontournable sur la planète mondiale, en fait. Car nous sommes en plein hiver, nous réchauffons nos cœurs et nos âmes à cette programmation qui est tout à fait exceptionnelle, et nous sommes reconnus, ça c'est très très fondamental, nous sommes reconnus par les grandes villes espagnoles. Cette année il y a eu des conférences de presse à Paris, qui n'est pas une grande ville espagnole, mais enfin quand même, il y a pas mal d'hispanisants qui s'y trouvent, donc ça a été un grand succès. Ensuite, au pied de la Tour Eiffel, c'était assez étonnant, très beau de voir d'assister à cette conférence de presse, et la veille, de voir ce spectacle que je vous recommande quand il va revenir, de Franny, c'est assez exceptionnel. Enfin, je pense que les Parisiens étaient peut-être, même hispanisants, étaient peut-être au bord de la Seine, on est un peu plus froid qu'au bord du canal de la Fontaine, et surtout du 421, ou je ne sais pas où. Mais là, non, les Parisiens se sont levés, j'y étais, ils se sont levés comme des fous. Ça a eu un énorme succès, et c'est tout à fait bien, parce qu'en plus, c'est coproduit par Théâtre de Nîmes. Donc on gagne même des sous, et c'est produit. Donc encore plus de sous, si c'était coproduit. Vous devez être fiers de nous, ayant fait de l'autofinancement, quand même, à toute vitesse. Donc, il y a eu ensuite une conférence de presse à Séville, à Madrid. Donc Nîmes est parfaitement reconnu sur la planète du flamenco, et nous accueillons d'ailleurs, après avec des partenaires, nous accueillons des spécialistes en la matière qui viennent de toutes les autonomies d'Espagne et des régions d'Espagne. Bon, je ne sais pas si la Catalogne est concernée, mais en fait c'est une autre histoire. Donc, revenons à M. Duzer pour le remercier de nous avoir confié ses œuvres, parce qu'il faut le remercier de l'exposer, parce que exposer, c'est s'exposer. Mais vous n'avez aucun risque, en la matière. En tout cas, on est admiratif de ce que vous présentez, que ce soit dans le cadre historique, puisque je dirais, malheureusement, nous avons quelques personnes qui sont immortalisées ici, mais qui ne sont plus parmi nous. Et puis, on peut se rendre compte de l'œil absolu que vous avez, de cet art de l'obturateur et du petit bouton sur lequel on appuie, parce que vous appuyez au bon moment, donner une mémoire exceptionnelle à cet art majeur qu'est le flamenco. Donc merci à vous, bienvenue à tous, et puis dès ce soir, soyons fous de flamenco, monsieur le directeur. Voilà. Merci beaucoup. Je vais faire vite. Bonsoir, merci beaucoup. Et puis surtout, merci à Alain Jourdan, merci au Musée des Cultures Taurines d'avoir monté ce partenariat avec nous autour de cette exposition de Jean-Louis Duzer. Voilà, c'est toujours, pour moi, c'est une très belle manière d'ouvrir la 28e édition du Festival de Flamenco. Je pense qu'il n'y en avait pas de meilleur pour commencer ce soir ici, avec ce parcours de 10 années de Festival de Flamenco de Nîmes, où on peut se faire une idée assez précise de ce que nous avons vu. La technicité, c'est une chose. Le talent, c'en est une autre. Et Jean-Louis Duzer, je dois le reconnaître, est quand même extrêmement talentueux, et je l'en remercie beaucoup. Et puis, qui plus est, au-delà d'être un grand artiste, c'est aussi un ami. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà. Merci beaucoup. Et... Voilà, on pourrait dire un mot qu'on n'a pas prononcé après avoir appelé chaleureusement le directeur du théâtre, c'est le mot de Duente. Enfin, je m'en veux un peu de ne pas l'avoir dit au moment, mais on le dit là maintenant. Vous êtes dans un Duente artistique qui est identique à celui de tous les grands artistes qu'ils soient, et en particulier sur la piste des arènes. Oui,
On va pas vous faire apprendre à l'alternative, quand même, peut-être. Mais en tout état de cause, j'ai beaucoup touré. C'est dans le même ordre. C'est le flamenco. Je vais vous raconter. Voilà. Bon, bonjour, bonsoir, monsieur. Bon, tout d'abord, pour moi, c'est aujourd'hui un peu spécial. Et donc, j'ai décidé d'arrêter d'être le photographe officiel pour, pardon, excusez-moi, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'estime qu'il faut savoir passer la main et donner, de permettre aux jeunes de s'exprimer, d'avoir un autre œil sur ce magnifique art qu'est le flamenco. La seconde des choses, c'est que je commence à vieillir. Je fatigue, ça m'arrive souvent, et je vais avoir une petite pensée, mais très rapide, pour quelqu'un qui n'est pas avec moi aujourd'hui, voilà, je dirais peur, voilà. Et puis il y a aussi une troisième partie, c'est que la route est dans les gens qui sont venus me chercher, qui m'ont accueilli, qui m'ont permis de travailler. Je dois en connaître que Patrick est à mon ami. Lui aussi, je pense, va quitter ce festival. Et donc, je ne pouvais pas continuer tout seul. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Mais le travail que m'ont permis de faire les gens du théâtre pendant 10 ans, parce que tous les gens étaient à mon écoute, m'ont permis de travailler dans de bonnes conditions. Et voilà. Donc c'est un peu dur. La dernière photo qui est là-bas au coin, c'est mon départ. Voilà.